Aïcha, actrice de cinéma et présidente du comité d'organisation du sommet panafricain du théâtre et du cinéma. Alors aujourd'hui, 30 septembre 2022, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire la conférence de presse du sommet panafricain du théâtre et du cinéma, dit SOMART. Alors ce programme a plusieurs objectifs et vise à faire la promotion et à faire l'expansion du cinéma, du théâtre et de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'international. Et aussi d'impliquer les jeunes dans la promotion, dans la recherche de stratégies pour mener à bien ces différentes perspectives. Il faut dire que nous avons pour objectif aussi de tenir la main à ces jeunes qui ont des situations financières très fragilisées, mais qui souhaiteraient embrasser le métier de cinéma. Et donc, c'est déjà pour l'occasion très bien présentée pour les différents organes qui souhaiteraient s'associer au projet, de nous accompagner. Et nous faisons un clin d'œil à toutes les personnes qui ont accepté déjà de nous soutenir de part et d'autre. Alors, il faut dire que le sommet panafricain du théâtre et du 7e art aura lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix les 24, 25 et 26 octobre 2022. Et nous sommes à notre première édition et nous espérons vraiment à ce que ce soit une réussite totale. Et nous comptons sur vous. Le directeur d'exploitation du cinéma Majestic. Si on en juge à toutes les productions qui passent en ce moment dans nos salles de cinéma Majestic et aussi celles qui passent sur les chaînes de télévision qui existent sur l'ensemble des territoires ivoiriens, on peut encourager vraiment le cinéma ivoirien et dire qu'il est en train de prendre une dimension vraiment dans la bonne direction, une très bonne dimension qualitative et aussi une graine de pépites de nouveaux acteurs, de jeunes talents qui sont en train de monter en puissance. Donc c'est très très encourageant. Vous voyez, nous venons de finir Clap Ivoire, qui est un festival des jeunes réalisateurs. SOMART également vient s'insérer dans notre dynamique. Notre rôle, c'est d'encourager toutes les initiatives qui peuvent permettre au cinéma de faire le saut qualitatif. Et SOMART s'inscrit dans ce sens-là. Parce qu'avec les panels, les conférences, les formations, tout ça, vous permettrez à des jeunes Ivoiriens de se former. Et plus particulièrement à 50 jeunes Ivoiriens, donc 25 femmes et 25 personnes, 25 hommes, à être des professionnels du cinéma et qui seront sur le marché. Et c'est tout cela qui va en moyenne plus au cinéma ivoirien. Le domaine cinématographique, c'est un domaine qui vend la culture d'un pays. Et pour nous, c'est de pouvoir encourager afin que la culture ivoirienne soit vendue partout à travers le monde entier. Donc aujourd'hui, ce sont des possibilités qui sont données. Le cinéma ivoirien est en train de revivre et donc il faut accompagner les personnalités pour toute initiative dans ce domaine. Le message que nous pouvons lancer à toute la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, toutes les possibilités sont mises sur pied. Soit pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir leur permettre de pouvoir exprimer leur talent. C'est-à-dire tout est disponible dans le domaine du cinéma, dans différents domaines, tout est possible, donc c'est de croire en soi-même. Et c'est de surtout venir à chaque fois, si nous avons un intérêt pour le domaine du cinéma, c'est de venir participer. Là, nous pouvons avoir des informations qui vont permettre à chacun de pouvoir être orienté et de pouvoir exprimer son talent. Donc nous avons de talentueux acteurs, nous avons de très bons films aujourd'hui qui sortent, mais la qualité et encore la promotion du succès là doit être encore amélioré. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, ce qui est là, c'est à saluer tous les acteurs qui sont dans ce domaine, qui permettent à ce que le domaine du cinéma puisse exister ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire.